Même tête, on commence Bezrat Hashem à Memchet Amoudbet, trois lignes d'en bas, Tanya, aux deux points. Memchet Amoudbet, trois lignes d'en bas, aux deux points, Tanya. Rabbi Eliezer Omer Kol Shelam, Ar Eretz Chemda Tova ou Chava Bebirkat Haaretz. Celui qui n'a pas cité dans la deuxième bracha du Birkat Amazon, Birkat Haaretz, qui termine par Al Haaretz Val Amazon, donc la bracha sur la terre. Celui qui n'a pas cité dans cette bracha-là, Eretz Chemda Tova ou Chava, la bonne terre, la terre Chemda, ça veut dire une terre d'envie, Tova, bonne ou Chava est large. Donc dans cette bracha de Birkat Haaretz, ou bien ou Malchut Bet David de Bonei Yerushalayim, il n'a pas cité la royauté de David Amelech dans la troisième bracha de Rachem de qui se termine par Bonei Yerushalayim, Hashem qui construit la ville de Yerushalayim, le Bet Amigdash, Lo Yatzei Yedei Chovato, il n'est pas quitte de son Birkat Amazon. Nahum Azaken Omer, Tzarich Shizkor Ba Brit, il faut citer dans la deuxième bracha Brit l'Alliance. Brit, ça fait donc, ça parle de la Brit Mila. Pourquoi? Parce que grâce à la Brit Mila, on a reçu la terre d'Israël comme Hachem a dit à Abraham, fais la Brit Mila et tu vas recevoir, Eretz, je te donnerai la terre d'Israël. Rabbi aussi Omer, Tzarchizkor Ba Torah. Il faut citer aussi Torah parce que ce n'est que grâce à la Torah qu'on a mérité à la terre d'Israël. Comme il dit dans les Psukim, vous allez rentrer dans la terre afin que vous puissiez, c'est-à-dire le pasuk qui dit, que grâce aux mitzvot, vous allez hériter la terre. Plimo Omer, Tzarich Shakdim Brit le Torah. Plimo dit, il faut, Plimo c'est le nom d'un Tana, Nachacham, il faut dire d'abord Brit et ensuite Torah. Pourquoi? Chez Zonitna Beshalosh Britot, car la Torah n'a été donnée que par trois fois trois alliances. Donc elle a été donnée à trois occasions, et à chaque fois, Kadosh Baruch Hu fait une alliance avec le peuple d'Israël. Rashi explique quelles sont les trois occasions. Une fois au Mont Sinaï, une fois dans le Halmoud, dans le Mishkan, et une fois avant de rentrer en Israël. Vezu nitna, alors que celle-ci c'est la Mila, nitna beyud gimel britot, elle a été donnée avec 13 alliances. 13 fois c'est écrit dans les psukim à propos de la Mila, brit. Brit Mila, c'est une alliance avec Hachem. Donc la Mila, elle est citée avant la Torah. Rabbi Abba Omer, tarich shiomar baoda, trila basof. Rabbi Abba dit, il faut dire dans la deuxième bracha de Nodé, il faut citer là-bas un remerciement, une hoda, un remerciement au début et à la fin. Rashi explique, à la deuxième ligne, à droite, Trilavasof Nodé Hashem Elokeinu. D'abord, c'est là, au début de la bracha, on commence par Nodé par un remerciement. Et enfin, à la suite de la bracha, à la fin de la bracha, on dit Valkulam Hashem Elokeinu. Et sur toutes ces choses-là, Hashem notre Dieu, Anu Modim Lach, nous te remercions. Donc, deux fois, il faut citer là-bas le remerciement. Vapochad Leifrot Mechad. Celui qui fait moins que ça, il doit minimum une fois. Celui qui ne fait même pas une fois, qui ne cite même pas une fois un remerciement, il est pas bien. Megouné, ça veut dire on le méprise, il est pas bien, il a mal fait. Mechalachotem, celui qui termine la bracha, Baruchata Hashem, au lieu de dire à l'Aretz ou à l'Amazon, il dit Manchil Aratzot, le Birkata Aretz. Donc dans cette bracha-là de Al-Aretz, la deuxième bracha, il la termine en fait par Manchil Aratzot Hashem qui fait hériter les terres. Ou bien, la troisième bracha, il la termine par « Umoshia et Israël, Hashem qui délivre Israël, Bebonei Yerushalayim » dans la bracha 2, qui se termine en général par « Bonei Yerushalayim ». Lui, il a terminé par « Moshia et Israël » au lieu de « Bonei Yerushalayim ». Arezebour. Arezebour, ça veut dire qu'on n'est rien du tout. « Mechol sheno omer brit v'torah v'birkat haaretz » Celui qui n'a pas cité, comme on a dit, « Brit et Torah » dans la deuxième bracha « Umalchut bet David de Bonei Yerushalayim » ou bien, il n'a pas cité la royauté de David Amelech dans la troisième bracha. Il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte de son birkat Amazon. Il n'est pas quitte de cette bracha. Mais ça y est, le Rabbi Ila, d'Amar Rabbi Ila, Amar Rabbi Yaakov, Baracha, Mishum Rabbeinu. Cette halacha, cette braïta, dit la Gemara, elle vient soutenir, renforcer ce que Rabbi Ila a dit au nom de Rabbi Yaakov, au nom de Rabbeinu. Kol shelo amar brit v'torah et birkat haaretz, celui qui n'a pas cité brit et Torah dans la deuxième bracha, ou Malchut ben David de Bonei Yerushalayim, ou bien Malchut ben David dans la troisième bracha, lo yatzei ydei chovato, il n'est pas quitte. Ligeba Abba Yossi ben Doustaï et Rabbanan. La Gemara ramène qu'il y a dessus une discussion entre Abba Yossi ben Doustaï et les Chachamim. Chadamar Atov Ametiv Tzricha Malchut. Donc c'est un nouveau sujet. Est-ce que dans la quatrième bracha, il faut citer Malchut ou pas? On dit Meler, on dit pas Meler. Un des deux dit, dans la quatrième bracha, il faut dire Malchut. Donc on dit Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam. Ensuite, on continue la bracha. Avinu Malkenu Reinu Adirenu, etc. Le deuxième dit non, il n'y a pas besoin de citer Melech HaOlam, la royauté d'Hachem, on n'a pas besoin de la citer dans cette bracha. La Gemara explique pourquoi cette discussion. Mandamar Tricha Malchut, celui qui dit qu'il faut huit citer là-bas Melech HaOlam,
qu'à savoir des Rabbanan, ils pensent que c'est une quatrième bracha indépendante des premières brachot, ou plutôt elle a été instituée indépendamment des premières brachot, parce qu'elle n'est que des Rabbanan. Les trois premières sont minatora, les trois premières brachot ont un devoir de la Torah, tandis que cette quatrième n'a été ajoutée que par les Chachamim bien après. Donc, elle ne s'enchaîne pas sur les brachot précédentes, qui, elles, n'ont pas besoin de Melech HaOlam parce qu'elles s'appuient les unes sur les autres. Et donc, on se suffit du premier Melech HaOlam du Birkat Amazon, c'est pas la peine de répéter ensuite. Tandis que celle-là, c'est une nouvelle bracha, donc elle doit commencer par Melech HaOlam. Elle ne peut pas s'appuyer sur la première bracha qui a commencé déjà par Melech HaOlam. Au Mandamar et Nasri HaMalchut, celui qui pense que la quatrième bracha n'a pas besoin de Malchut, de Melech HaOlam, qu'à savoir de Horaïta. Il pense que même cette quatrième bracha-là, elle est Minatora, elle s'enchaîne sur les précédentes, de même que Nodé Lecha ne commence pas par Melech HaOlam, pas par Baruch Ata Hashem non plus d'ailleurs, de même que Rachem n'a pas besoin non plus de Melech HaOlam, parce que elle s'enchaîne toute sur la première qui commence par déjà Melech HaOlam. De la même manière, la quatrième bracha, on n'a pas besoin de ramener là-bas encore une fois, de reciter encore une fois Melech HaOlam, parce qu'elle s'enchaîne sur les premières. Cependant, il faudra dire Baruch Ata Hashem, parce que sinon, on ne va pas reconnaître cette bracha-là, elle n'aura ni de Baruch avant, au début, ni de Baruch à la fin. Contrairement aux premières brachot qui se terminent au moins par Baruch. Mais celle-ci qui ne se termine pas par Baruch, elle serait obligée de commencer au moins par Baruch. Mais au moins, Melech HaOlam, c'était pas la peine de dire parce que, selon cet avis-là, selon ce Mandé Amar, il pense que c'est Minatora, donc on peut s'appuyer sur les premières brachot. Tanu Rabbanan, nouvelle braïta dit la Gemara. Donc Tanu Rabbanan en début de ligne. Tanu Rabbanan ont enseigné nos Chachamim. Mahu Chotem et Binyan Yerushalayim. Comment est-ce qu'il faut terminer la bracha de Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim? Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda Omer Moshia Israël. On cite à la fin de cette bracha Baruch Ata Hashem Moshia Israël qui délivre Israël. Et la Gemara s'étonne Moshia Israël in. Est-ce qu'on ne peut dire que Moshia Israël Binyan Yerushalayim? Là, on ne peut pas dire Bonei Yerushalayim. Évidemment qu'on peut dire aussi Bonei Yerushalayim. Elaim a dit la Gemara. Af Moshe Israël. De même qu'on peut dire Bonei Yerushalayim, Hashem qui construit Yerushalayim, on peut dire aussi Hashem qui délivre Israël au lieu de Bonei Yerushalayim, parce que finalement, au fond, ça prend le même sens. Ça se rapporte sur le temps du Mashiach, où HaKadosh Baruch Hu va délivrer Israël, va construire Yerushalayim. Rabba Baravuna, Ikla le Beresh Galuta. La Gemara raconte une histoire sur Rabba Baravuna qui a été invité, qui est arrivé un jour chez le Resh Galuta. Resh Galuta, c'est la tête de l'exil, le grand du pays. Patach Bechada Vesiem Betarte. Il a commencé sa bracha de Rachem, Bechada, en une chose, Vesiem, il a terminé en deux choses. C'est-à-dire, Rashi explique ici à droite, Patach Bechada, que Sheitril va bracha, lorsqu'il a commencé la bracha, la troisième bracha, L'homme a Rachem Hashem al Israël, Amecha val Yerushalayim Irecha. Il n'a pas cité deux choses. Et pitié Hashem, un, d'Israël ton peuple, deux, de Yerushalayim ta ville. Non. Et la Achatmen, il n'a cité que une de ces deux choses-là, soit ton peuple, soit ta ville. Donc, Shechatam, tandis que quand il a terminé la bracha, Baruch Ata Hashem, à la fin de la bracha, Chatam Bishtaim, il a terminé par les deux en disant, Baruch Ata Hashem, Moshia Israël, Uvone Yerushalayim, qui délivre Israël et qui construit Yerushalayim. Donc, il a commencé par une chose, il a terminé par deux. Amar Rav Chisda a fait la remarque sur cette manière de faire le Birkat Amazon. Gevurta le Mirtam Betarte, est-ce que c'est une grandeur de terminer la bracha en citant deux choses? Au contraire, c'est pas bien. Ve'atania, pourtant, il y a une braïta qui dit, Rabbi Omer en chotmin bishtaim. On ne termine pas par deux choses. Donc, il faut pas citer et Moshe Israël et Bonei Yerushalayim, mais qu'une de ces deux choses-là. La Gemara reprend donc cette braïta-là elle-même. Goufa. On reprend la braïta qui a dit, Rabbi Omer, en chotmin bishtaim, on ne termine pas une bracha pas en citant deux choses. Etive, Lévi le Rabbi. Lévi a objecté Rabbi. On dit bien à la Haaretz et à l'Amazon, sur la terre et sur la nourriture. Donc on dit bien deux choses à la fin de cette bracha. Répond la Gemara, Eretz de Mafka Amazon. Ce ne sont pas deux choses, c'est une chose. C'est la terre qui donne la récolte, qui donne la nourriture. Deuxième question à la Haaretz et à la Perot. On dit bien à la fin de celui qui a mangé les sept fruits d'Eretz Israël, comment il termine sa bracha? À la Haaretz, vers la Perot, sur la terre et sur les fruits. Donc, on a terminé la bracha par deux choses. Répond la Gemara, Eretz de Mafka Perot. C'est la terre qui fait pousser les fruits. Donc, c'est une chose. Troisième question, Mekadesh Israël Vazmanim, on dit bien pendant les fêtes, les trois fêtes, on dit bien, Kadosh Baruch Mekadesh, Baruch Ata Hashem, Mekadesh, au milieu de la Tfila, on dit Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël Vazmanim, qui sanctifie Israël, et les jours de fête.
Donc on dit bien ici deux choses. Il sanctifie et Israël et l'étang. Répond la Gemara, ce ne sont pas deux choses, c'est une chose. Pourquoi? Akadash Baruch a sanctifié Israël. Donc dit la Gemara, Israël dekadeshinu lezmanim. Akadash Baruch il sanctifie Israël qui eux sanctifient l'étang. Parce qu'en réalité, les trois fêtes ne dépendent que d'Israël. Elles dépendent du Bedin, elles dépendent des Chachamim qui reçoivent un témoignage sur la nouvelle lune pour fixer le jour de Rosh Chodesh. Le mois commence en fonction de ce témoignage-là. Et une fois que les Chachamim fixent le jour de Rosh Chodesh, automatiquement on saura quand va tomber le jour de fête. Donc finalement, c'est eux qui ont sanctifié la fête. La Kdusha de la fête dépend des Chachamim. Donc en disant Mekadesh Israël Ve'azmanim, on n'a pas dit deux choses. On a dit une chose. Akadash Baruch Hu sanctifie Israël, qui eux sanctifient les jours de fête. Nouvelle question, Mekadesh Israël Verasher Chodashim. À nouveau, on voit à Rosh Chodesh, on dit Baruch HaTashem Mekadesh Israël Verasher Chodashim. Et évidemment, la même réponse. Israël de Katun et Verasher Chodashim. Akadash Baruch Hu sanctifie Israël, qui eux sanctifient les jours de Rosh Chodesh, les débuts de mois. Mekadesh HaShabbat V'Israël V'Azmanim. Là, la Gemara pose une nouvelle question, mais en réalité, quand tombe un jour de fête pendant Shabbat, on dit bien Akadash Baruch Hu il sanctifie. On termine la bracha par Baruch HaTashem Mekadesh HaShabbat. V'Israël v'Azmanim, Hachem il sanctifie Shabbat et Israël est en or. Israël, ce ne sont pas eux qui sanctifient le Shabbat. Shabbat est toujours le septième jour de la semaine, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. C'est une Kedusha qui ne dépend pas du tout d'Israël. Elle est là depuis la création du monde. Donc ici, finalement, on termine par deux choses, la bracha, et par la Kedusha de Shabbat et par la Kedusha d'Israël qui ont sanctifié les fêtes. Répond la Gemara Chotzimizu. À l'exception de celle-là. Ça s'appelle pas qu'on a terminé par deux choses. Parce que Akadash Baruch Hu, il a sanctifié. C'est une chose. Qu'est-ce qu'il a sanctifié? Après, c'est des détails. Il a sanctifié Shabbat et Israël qui ont sanctifié les temps. Mais finalement, il a sanctifié. Donc, ça s'appelle une chose. Si c'est comme ça, demande la Gemara, mais alors, revenons en arrière. On a dit que la bracha de Rachem, on ne peut pas la terminer par Moshia et Israël ou Bonnet Yerushalayim parce que ce sont deux choses. Et alors, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que tu considères que ça, ce sont deux choses. Hachem qui délivre Israël et qui construit Yerushalayim, c'est deux choses. Tandis qu'en ce qui concerne Shabbat et Israël et les Zmanim, on dit que c'est une chose. C'est ce que demande la Gemara immédiatement. Umaishna acha. Quelle est la différence? Donc, Umaishna, ici se termine la question. Quelle est la différence? Répond la Gemara. Acha chadahi. Ici, c'est une chose. Akadash Baruch Hu sanctifie. C'est une chose. C'est un sujet. Après, c'est des détails. Qu'est-ce qui sanctifie? Shabbat, Israël, Ezmanim. Tandis que Hatam, Tarte. Là-bas, en ce qui concerne Moshiach et Israël ou Bonnet Yerushalayim, ce sont deux choses différentes. Kol chad avechad ala penafsha. Chacune est indépendante. Chacune est en soi. Donc, on a d'abord Akadash Baruch Hu, il délivre Israël. C'est une chose. Il construit Yerushalayim, c'est une autre chose. Donc, on ne peut pas terminer la bracha de cette manière-là. Veta Mamayen Chotmin Bishtaim. L'Egmara maintenant revient sur le principe. Pour quelle raison on ne termine pas une bracha par deux choses? Répond la Gemara le fiché en osin mitzvot chavilot chavilot. C'est une grande règle, on ne fait pas les mitzvot paquet par paquet. On les fait une à une. Chacune mérite son respect, chacune mérite son attention. On ne termine pas une bracha par deux choses différentes parce que ça s'appelle faire des mitzvot par paquet et c'est pas respectueux vis-à-vis des mitzvot. Maïha ve'ala. Qu'est-ce qu'il en est de cette question? Donc la question reprend, la Gemara reprend la question. Alors qu'est-ce qu'on fait finalement? Comment on termine cette bracha-là? Amar Rav Sheshet, Patach berachem alamcha Israël. S'il a commencé la bracha par rachem alamcha Israël, donc il a commencé comme ce qu'on a l'habitude de dire, aie pitié de ton peuple Israël, Chotem et Moshe Israël. Il terminera la bracha de la même manière, Baruch Ata Hashem Moshe Israël qui délivre Israël. Patach berachem al Yerushalayim, s'il a commencé par aie pitié de la ville Yerushalayim, alors il termine de la même manière, Chotem et Bonnet Yerushalayim. Il le terminait aussi par Yerushalayim. C'est ce que pense Rav Sheshet. Ve Rav Nachman Amar, Rav Nachman n'est pas d'accord avec ça, il dit, Afilu patach berachem al Yisrael, même s'il a commencé par Racham al Yisrael, comme ce que nous avons l'habitude de faire, Chotem et Bonnet Yerushalayim, il n'y a pas de problème de terminer la bracha par Baruch Ata Hashem, Bonnet Yerushalayim, c'est comme ça qu'on la termine. Pourquoi? Mishum Sheneemar, car il est dit, Bonnet Yerushalayim Hashem, Nidre Israël et Chanet. C'est une chose en fait, ce sont deux choses qui viennent en même temps. Bonnet Yerushalayim Hashem, Hashem construit la ville de Yerushalayim. Nidre Israël et Chanet, c'est-à-dire Nidre Israël, c'est les perdus
d'Israël et ceux qui sont perdus dans tous les coins du monde, Yéchanès, il va les réunir. Et Matay bonne Yerushalayim Hashem, la Gemara explique ce passage, quand est-ce qu'Hashem construit Yerushalayim, Bizman, Chenidre Israël Yéchanès, au moment où il va réunir les éloignés d'Israël. Donc, il n'y a pas de problème que de commencer la bracha par Israël et de la terminer par Yerushalayim, parce qu'en réalité, ça se rapporte sur le même temps, sur la même délivrance. Et donc, malgré que, en principe, il aurait fallu introduire, on doit terminer la bracha de la même manière qu'on l'a commencé, ça s'appelle qu'on l'a terminé ici aussi de la même manière qu'on l'a commencé, parce que c'est le même sujet, c'est la même idée. Amar le Rabbi Zera, le Rav Chisda. Rabbi Zera dit à Rav Chisda, netimar venitne, que vienne notre maître nous enseigner. Amar le, il lui a dit, birkat mezona lo gamrina, le birkat Amazon, je ne connais même pas, vetanuye matnina, et tu veux quand même que je vienne vous enseigner. Amar le Maya, il a dit de quoi il s'agit, quel est le problème? Amar le, alors il lui a raconté. Il lui a raconté ce qui s'est passé avec lui. De ikle le beresh galuta. Voilà, je suis arrivé, donc, chez le resh galuta. Ou briche birkat mezona. J'ai fait la birkat Amazon. Vezak fe rav sheshet le koué alai, kirchivia. Rav sheshet a dressé son cou sur moi comme un serpent. Vraiment, il n'était pas content de ce que j'ai fait. Ve'amai, pour quelle raison? De le amre, car je n'ai pas dit, le brit, ve'lo Torah, ve'lo Malchut. Je n'ai ni cité brit dans la deuxième bracha, ni Torah, ni Malchut dans la troisième bracha, comme on a dit qu'il fallait citer Malchut ben David. Ve'amai le amrat, et pour quelle raison tu n'as pas cité tout ça? Alors qu'on a dit qu'on n'est pas quitte quand on ne cite pas toutes ces choses-là. Kedrav Hananel Amarav. De Amarav Hananel Amarav, il lui a répondu, j'ai fait comme Rav Hananel au nom de Rav qui a dit, le Amar Brit ve Torah ou Malchut, yatsa. S'il n'a pas dit Brit Torah et Malchut, il est quand même quitte. Il est quitte de son Birkat Amazon. Pourquoi? Brit le fichena benashim. Brit mila parce que ça ne concerne pas les femmes. Torah ou Malchut le fichena lo benashim velo be'avadim. S'il n'a pas cité Torah et Malchut, il est quand même quitte parce que ça ne concerne ni les femmes ni les esclaves. Donc finalement, c'est facultatif. On l'a dit tant mieux, on l'a pas dit, c'est pas grave. Alors il lui a dit, mais attends, donc c'est pour ça que tu n'as pas cité, ve'atshav kat kolane tanae ve'amora, et toi tu as laissé tous les chachamim, tous les tanaïm, tous les amoraïm qui ont dit jusqu'à présent que s'il n'a pas cité ces choses-là dans le Birkat Amazon, il n'est pas quitte, ve'av dat kerav, et tu t'appuies sur Rav alors que ça va contre tous ces chachamim-là. Donc effectivement, Rav Sheshet a eu raison de t'en vouloir, de ne pas avoir cité tout ça dans le Birkat Amazon. On continue en début de ligne, amababababachanam, arabi ochanan. Hatov ve'ametiv tricha malchut. Il faut citer malchut, melech haolam, lors de la quatrième bracha qui s'appelle Hatov ve'ametiv. Ma'ika mashmalan, qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre? Kol bracha shem malchut lo shma bracha, que toute bracha dans laquelle on ne cite pas melech haolam n'est pas une bracha. Veha amara Rabbi Yochanan chadazimna. Pourtant Rabbi Yochanan a déjà dit une fois. Amar ebizera, répond la Gemara. Lomar shetricha shte malchuyot. Ici non, ici Rabbi Yochanan veut nous apprendre, il faut citer deux fois Melech. Deux fois il faut citer Melech. Chadadida, une fois pour cette bracha elle-même, et Chadad de Bonei Yerushalayim. Et une fois pour la bracha précédente de Bonei Yerushalayim, dans laquelle on n'a pas cité Melech Haolam du tout, ni au milieu de la bracha, ni à la fin de la bracha. Donc il faut le rattraper dans cette bracha ici, en disant deux fois la notion de Melech. C'est ce qu'on dit, Rashi explique. On dit Avinu Malkenu. On dit Avinu Malkenu, notre père, notre roi. Et ensuite, on répète encore une fois, Melech Hatov Ametiv Lakol. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Hatov Ametiv. Melech Hatov Ametiv Lakol. Donc, on doit citer deux fois la notion de Melech dans cette bracha. Et une fois, donc, pour cette bracha elle-même. Et une fois pour la bracha précédente de Bonei Yerushalayim. La Gemara demande, Yachini Beit La. Si c'est comme ça, il aurait fallu trois fois. Chadadida. Une fois pour elle-même. Vechada de Bonei Yerushalayim. Une fois pour la troisième bracha qui se termine par Bonei Yerushalayim. Donc, qui commence par Rachem. Vechada de Birkat Haaretz. Et encore une troisième fois. Pour la bracha de Nodé qui se termine par la Haaretz et l'Amazon, dans laquelle on ne cite pas non plus Melech Haolam. Donc pourquoi est-ce qu'on ne doit dire que deux fois dans Hatov Ametiv la notion de Melech? Répond la Gemara et la Birkat Haaretz Maïta Amalo. La deuxième bracha de la Haaretz, pour quelle raison on n'a pas besoin de rattraper son Melech Haolam? Mishum Davi à la bracha Smucha Lechaverta, parce qu'elle est une bracha qui est juxtaposée à celle d'avant. Et donc puisque dans la première bracha on a huit cités Melech Haolam, on peut s'appuyer dessus aussi pour la deuxième. Si c'est comme ça, demande la Gemara. Bonei Yerushalayim na miloti bay. Eh bien, la troisième non plus, c'est pas la peine de la rattraper. De'avi ala bracha smucha la chaverta, parce qu'elle aussi, c'est une bracha qui est juxtaposée à celle d'avant, dans la, qui elle-même est juxtaposée à la première, dans laquelle on a cité Melech Haolam. Donc, de même que dans la deuxième, c'était pas la peine de mentionner Melech Haolam, de la même manière dans la troisième non plus. Répond la Gemara.
Ouadin de Afilou Bonne Yerushalayim Nami Lobaya. En réalité, il est vrai que même dans cette troisième racha de Bonne Yerushalayim, c'était même pas la peine de citer, de mentionner Melech Haolam, ou la notion de royauté d'Hachem, et c'était même pas la peine de le rattraper dans la quatrième. Et là, mais, Aïdi de Amar Malchut Be David, puisqu'on a quand même cité la royauté de David Amelech dans la troisième racha, l'avourach ara, c'est pas respectueux, c'est pas correct de l'Amar Malchut Shamaim ne pas avoir dit Malchut Shamaim. Donc il faudrait rattraper quand même la Malchut Shamaim qui n'a pas été citée dans la troisième, et le dire dans la quatrième. Dans la troisième, on dit pas, on ne cite pas Malkenu. D'ailleurs, c'est remarquable parce qu'on dit Avinu Re'enu Zunenu. On dit Avinu Re'enu. On dit que Avinu notre Père. Pourquoi on ne dit pas Malkenu alors que d'habitude ça va ensemble? Là, on fait exprès de ne pas le dire parce que comme on cite ensuite la Malchut de Yerushalayim, de David Amelech, donc c'est pas, on peut pas comparer. On peut pas comparer la royauté d'Hachem avec celle de David. Et donc, dans la troisième, il manquait, mais cependant, il nous reste finalement que la royauté de David, donc vraiment, c'est comme, ça manque quand même de ne pas avoir dit la royauté d'Hachem. Donc, au moins, on le rattrape dans la quatrième. Mais pour la deuxième, bracha, c'est pas la peine de rattraper. Ravapa Amar, Achike Amar, Ravapa répond, voici ce que, il vient répondre d'une autre manière. Ce qu'on a dit que dans la bracha d'Atav Ametiv, il faut dire deux fois, Melech, Malchut. En réalité, c'est deux fois en dehors du début de la bracha. Tzricha shte malchuyot le bar midida. Il lui faut deux fois malchut en dehors de la bracha elle-même. Et là, je me corrige, c'est ici où Rashi dit qu'on dit premièrement avinu malkenu et deuxièmement amelech atov. Au début, la Gemara n'avait pas pensé à ça. Au début, la Gemara voulait dire au début de la bracha, on dit melech haolam, elokenu melech haolam, et ensuite on dit encore une fois avinu malkenu. Et là, la Gemara dit non, il faut dire encore une troisième fois, c'est-à-dire une fois pour elle-même, qui commence par Melech Haolam, et ensuite, dans la suite de la bracha, on récite encore deux fois Malkenu et, comme on a dit, Amelech Atov. Ça fait en tout trois fois, et là, effectivement, la question maintenant, elle tombe, parce que on a rattrapé les deux brachot d'avant. On a rattrapé la deuxième bracha et la troisième bracha dans laquelle on n'a pas cité Malchut. Et donc, il n'y a plus de problème. On comprend pourquoi est-ce que on dit trois fois, effectivement, dans la quatrième bracha. Yativ raconte la Gemara. Yativ Rabbi Zera, achore de Rav Gidel. Rabbi Zera, la Gemara, elle va traiter le cas de quelqu'un qui a oublié de citer Shabbat ou Yom Tov pendant le Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit se rattraper? Est-ce qu'il quitte? Il n'est pas quitte? Que doit-il faire? Yativ Rabbi Zera choré de Rav Gidel. Raconte la Gemara, Rabbi Zera était assis derrière Rav Gidel. Yativ Rav Gidel kamé de Ravuna. Rav Gidel était assis devant Ravuna. Yativ et Kamar, il était assis, il disait. Donc Rav Gidel, qui était assis en face de Ravuna, et devant Rabbi Zera, qui était derrière lui et qui l'entendait, ce Rav Gidel a disait. Tav le izkir shel Shabbat, celui qui a oublié de citer Shabbat dans le Birkat Amazon. Omer, il a une bracha spéciale à faire. Baruch Shenatan Shabbatot Limnucha Le'amo Israel Be'ava Le'ot Ve'Livrit. Donc il dit, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Et ensuite, il dit, Shenatan Shabbatot Limnucha, qui a donné les Shabbatot pour repos, l'amour Israël à son peuple Israël, Be'ava, avec amour, Le'ot Ve'Livrit, comme signe et comme alliance. Baruch Mekadesh Shabbat, il termine par Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Amarle, Manamara, il lui a demandé, qui c'est qui a dit ça? Rav. C'est Rav qui a dit ça. Rav Gidel, en disant cette halakha, il a précisé ensuite qu'il a entendu au nom de Rav. Il a entendu de Rav. Hadar Yativ et Kamar. Il était encore assis, il disait, et encore une halakha. Ta'av le izkir shel Yom Tov. Celui qui a oublié de dire Yom Tov dans le Birkat Amazon, Omer. Baruch, il dit, Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Shenatan Yamim Tovim l'amo Israël, qui a donné donc les Yamim Tovim, les bons jours pour Israël. Les Simcha, pour la joie, ou le Zikaron, et pour le souvenir devant lui. Baruch Mekadesh Israël Vazmanim. Baruch ata Hashem, donc il faut dire Mekadesh Israël Vazmanim. Amar le Manamara, il a demandé, qui c'est qui a dit ça? Rav. Rav Gidel a répondu, c'est Rav qui a dit ça. Hadar Yativ et Kamar, à nouveau il était assis donc il disait, Ta'av l'ezikir shel Rosh Chodesh, celui qui a oublié de dire Rosh Chodesh, Omer, Baruch Shenatan Rashi Hadashim Lamo Israël Zikaron, Beni Hashem donc, Elokeinu Melech Haolam, qui a donné les jours de Rosh Chodesh à son peuple Israël, les Zikaron, pour souvenir, pour qu'ils se souviennent d'eux. Veleyadana, je ne sais pas, Yamar Basimcha Ilo, là c'est plus Rav Gidel qui parle, c'est Rabbi Zera qui était derrière Rav Gidel, qui dit, je n'ai pas entendu, si Rav Gidel a ajouté qu'il faut terminer cette bracha aussi, qu'il faut intercaler dans cette bracha aussi Simcha ou pas.
Est-ce qu'il a dit le Simcha ou le Zikaron comme ce qu'il a dit à propos de Yom Tov? Donc les jours de Rosh Chodesh, est-ce qu'ils ont été donnés aussi pour la joie ou pas? Donc Vele Adana Yamar Basimcha Ilo Amar Basimcha. Je ne sais pas s'il a cité ici Simcha ou pas. Deuxièmement, je ne sais pas Ichatimba Ilo Chatimba. Je ne sais pas s'il termine cette bracha aussi par Baruch Ata Hashem et Kadesh Israel Varashe Chodashim. Est-ce qu'elle a une fin ou non? Elle se termine par c'est une bracha comme une bracha courte qui ne se termine pas par Baruch. Troisièmement, je ne sais pas, dit Rabbi Zera, il idei de Rabbe. Si c'est Rav Gidel qui l'a dit, qui a dit cette halakha en son nom, en son propre nom, ou bien au nom de son maître, Rav. Gidel bar Minyumi, avakai kamed Rav Nachman. Raconte la Gemara sur Gidel bar Minyumi qui était devant Rav Nachman. Il se tenait devant Rav Nachman. Ta Rav Nachman, Rav Nachman s'est trompé. Vehadar le Reisha. Et il a recommencé au début. Donc Rav Nachman n'avait pas cité Shabbat. Et il a repris Birkat Hamazon depuis le début. Amar le Maïtam avid Marachi. Il a demandé pour quelle raison mon maître fait comme ça. Amar le, il lui a répondu, de Amar Rabbi Shila Amar Rav, Ta'a Choser le Roche. Parce que Rabbi Shila a dit au nom de Rav, celui qui a oublié Shabbat, il reprend Birkat Hamazon au début. Alors il a demandé, mais comment est-ce possible que Rav ait dit une chose pareille? Pourtant, mais Amar Avuna Amar Rav, Ta'a Omer, celui qui a oublié dire Shabbat. Qu'est-ce qu'il dit? Baruch Shenatan, comme on a dit. Il y a une bracha spéciale à faire. Amar lui a répondu, la Itmar Alan, n'est-ce pas qu'on a enseigné dessus, Amar Rav Menashe Abar Tachlifa, Amar Rav, Loshanu Elashelo Patach Beatov Ametiv. Quand est-ce qu'il doit dire cette bracha-là? C'est que s'il n'a pas commencé la bracha de Atov Ametiv, la quatrième bracha du Birkat Hamazon. Abal Patach Beatov Ametiv, mais s'il a déjà commencé la bracha de Atov Ametiv, Choser Le Roche, il reprend au début. Amar Avidi Baravin Amar Rav Amram Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Ta'av leizkir shel Rosh Chodesh betfila. Celui qui n'a pas cité Rosh Chodesh. Donc betfila marzirin oto, babirkat Amazon en marzirin oto. S'il n'a pas cité pendant la tfila yalev yavo, il reprend. Pendant birkat Amazon, il ne reprend pas. Amar le Rav Avin le Rav Amram. Ou selon la correction, Amar le Rav Idi Baravin le Rav Amram. Maïshna Tfila ou Maïshna Birkat Hamazon? Rav Idi bar Ravin a demandé à Rav Amram, quelle est la différence entre la Tfila où il faut reprendre et Birkat Hamazon où on n'a pas besoin de reprendre? Amar Leaf Edidi Kasheli. Alors il a dit la vérité, moi aussi je me suis posé la question. Veshaïl Tele Rav Nachman, et j'ai demandé à Rav Nachman. Ve Amar Li, il lui a dit, et il m'a dit, Mine de Mar Shmuel O Shmiali. Je n'ai pas entendu de Shmuel lui-même. Donc, n'oublions pas, cette halakha a été dite par Rav Idi bar Ravin, au nom de Rav Amram, au nom de Rav Nachman, au nom de Shmuel. Et là maintenant, la Gemara raconte que Rav Idi bar Ravin a demandé à Rav Amram. Donc Rav Idi qui a dit au nom de Rav Amram, il raconte sur lui-même qu'il a posé la question à Rav Amram. Et il lui a dit pourquoi cette différence entre la Tfila et Birkat Hamazon à Rosh Chodesh. Et Rav Amram lui a répondu que lui aussi il avait posé cette question à Rav Nachman. Et que Rav Nachman lui a dit que lui-même c'était n'a pas posé la question à Shmuel, qui est le premier qui a dit cette halakha. Mais Rav Nachman lui a dit, voyons nous-mêmes. Elanir Zehanan, voyons nous-mêmes. D'accord? Donc je reprends dans la Gemara. Amarle, je reprends deux lignes au-dessus. Amarle afle didi kashali. Donc Rav Amram a dit à Rav Idi Baravin, moi aussi je me suis posé cette question. Veshaïti de Rav Nachman, je l'ai posé à Rav Nachman. Au nom de qui j'ai dit cette halakha? Ve'amali Rav Nachman m'a dit, Mine de Mar Shmuel, au nom de Shmuel lui-même, qui est celui qui a dit cette halakha, au nom de qui moi-même Rav Nachman, je l'ai dit, Lo Shmiali, je n'ai pas entendu de réponse de différence entre, d'explication entre, de, pour la différence entre la Tfila et Birkat Hamazon. Et la Nirzanan, mais voyons nous-mêmes, a dit Rav Nachman à Rav Amram. Tfila, de Chovai, Marzirinoto. La Tfila qui est obligatoire, il doit reprendre. S'il n'a pas cité à Léviavo, cette fila n'est pas correcte, il doit la reprendre. Birkat Mazona. Par contre, Birkat Hamazon de Rosh Chodesh, c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de faire un Birkat Hamazon de Rosh Chodesh. De Ibayachil. Ibayachil, s'il veut, il mange du pain en Rosh Chodesh, s'il veut pas, il mange pas. En Marzirinoto. Donc, s'il n'a pas cité dans Birkat Hamazon et à Léviavo, on voit ça comme quelque chose de, qui n'est pas obligatoire et il ne reprend pas le Birkat Hamazon. Et là, Meata, si c'est comme ça demande la Gemara. Shabbatot viamim tovim de l'osagi de l'achil. Les jours de Shabbat et Yom Tov où il n'est pas possible qu'il ne mange pas de pain, c'est obligatoire. Achinami, alors effectivement, tu diras aussi Deitai Hadar.
que si il a oublié dans Birkat Amazon de citer Shabbat et Yom Tov, il doit recommencer tout le Birkat Amazon. Amar le in. Il a répondu oui, effectivement. D'Amar Rabbi Shila Amar Rav, Ta'a Choser le Roche. Donc, on a bien dit que si on avait vu au début de ce Hamoud ici, s'il a oublié de citer Shabbat et Yom Tov, il reprend Birkat Amazon. Or, pourtant, la Gemara demande, mais on a dit au nom de Rav qu'il doit dire Baruch Shenatan, donc il ne reprend pas le Birkat Amazon. Il intercale la bracha spéciale, adaptée à Shabbat ou à Yom Tov. Répond la Gemara à la vite Marala, n'est-ce pas qu'on a déjà enseigné dessus le Shan ou la Shelo Patach Batov Ametiv, à condition qu'il n'ait pas commencé la quatrième bracha, Aval Patach Batov Ametiv, Chozer le Roche. Mais s'il a commencé déjà à Tov Ametiv, c'est terminé. Il a perdu la bracha spéciale intercalée entre la troisième et la quatrième. Et donc, il doit reprendre tout le Birkat Amazon depuis le début. Donc, conclusion. Celui qui a oublié Shabbat. Il a oublié Retzé à Shabbat et Alevi Avorash Chodesh ou un jour de Yom Tov. Si il a dit Baruch HaTashem Bonei Yerushalayim, il peut dire encore la bracha spéciale intercalée là-bas. Celle de Rosh Chodesh, d'ailleurs, on ne cite pas Simcha et on ne cite pas, elle ne termine pas non plus par Baruch, qui étaient des questions que, sur lesquelles la Gemara est restée en doute. La Halakha ne pas citer là-bas Simcha, ni la terminer par Baruch. S'il a commencé par contre la bracha de Atov Ametiv, Rosh Chodesh, c'est terminé, il ne reprend pas. Il continue tranquillement. Shabbat et Yom Tov, où les repas de pain sont obligatoires, il reprend depuis le début. Il s'agit ici des deux premiers repas de Shabbat et Yom Tov qui sont obligatoires, donc on a l'obligation de manger du pain. Et dans ce cas-là, s'il aura oublié de citer Shabbat et Yom Tov, il doit reprendre. À Souda Shlishit, je pense que celui qui a oublié de dire Retzé, il ne reprend pas Birkat Amazon, parce que l'obligation de manger du pain à Souda Shlishit, elle est plus légère que celle des premiers repas. On pourrait éventuellement, en cas de problème, de faire Souda Shlishit sur autre chose que sur du pain. Donc là-bas, si on a oublié Retzé, on ne reprend pas le Birkat Amazon. On continue aux deux points au milieu du Hamoud Bet. Ad kama mezamin vechoulé. Jusqu'à combien il faut manger pour s'associer aux imouns de Birkat Amazon. Et on a vu dans la Mishnah une machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Houda, à savoir est-ce qu'il faut manger un kazaït ou un kabetza, donc comme une olive ou comme un œuf. La Gemara demande, pose là-dessus une contradiction. Les mêmes rats, notre Mishnah vient nous dire, de Rabbi Meir chashiv le kazaït ve Rabbi Houda kabetza, pour Rabbi Meir, lui, il donne l'importance à un kazaït, à une olive, et Rabbi Houda donne de l'importance que à une quantité d'un œuf. Or, nous avons une contradiction, on les a entendus dire le contraire ailleurs, à propos d'autre chose. D'Etnan, et là, la Gemara ramène une Mishnah. Une Mishnah qui dit dans Psachim, de même. Donc là-bas, il s'agit de quelqu'un qui est allé en chemin et qui s'est rappelé qu'il avait du Hametz chez lui à la maison, est arrivé le moment de brûler le Hametz. Est-ce qu'il doit retourner ou bien... Eh bien, il peut se suffire d'annuler le Hametz de là où il est. Là-bas, la Mishnah, elle dit, ça dépend où il en est. Ça dépend où il en est. Parce qu'en fait, cet homme-là, il est allé faire son Korban Pessah, il est allé faire son agneau de Pessah. Donc, retourner pour brûler son Hametz, ça viendra sur le compte de son Korban, c'est un problème. Et donc, là-bas, on dit que ça dépend. S'il a le temps de retourner brûler le Hametz et il peut rattraper encore le temps du Pessah, ça va. Sinon, il annule le Hametz dans son cœur, là où il est. Et ensuite, la Mishnah continue et dit « Vechen ». C'est ça ce qui est cité ici, donc dans la Gemara. « Vechen », en début de ligne. « Mishiatam Yerushalayim venizkar shaybiado besar kodesh ». Celui qui est sorti de la ville de Yerushalayim, il s'est rappelé qu'il avait dans ses mains de la viande de Korban. Donc, maintenant, cette viande-là, elle est devenue pasoul. C'est devenu pasoul, on ne peut plus la manger parce qu'elle est sortie de la ville. Les corbanotes se mangent maximum dans la ville de Yerushalayim, mais pas plus loin que ça. Maintenant, cette viande-là de Kodesh, de Korban, donc elle est interdite. Il faudrait a priori, il aurait fallu la ramener au Beth Amikdash pour la brûler là-bas à côté du Beth Amikdash dans un feu spécial. Est-ce qu'on lui demande de se fatiguer à retourner, oui ou non? Il m'a var Tsofim, s'il a passé déjà à l'endroit de Tsofim, c'est un endroit duquel on voit encore le Beth Amikdash, sorfobim komo. On lui dira pas de revenir, il n'a qu'à brûler sa viande là où il est. Veim lav, mais s'il n'a pas encore dépassé cet endroit-là, choser vesorfolifne abira, il retourne et il le brûle devant le Beth Amikdash, mais atse amaracha des bois du Mizbeach.
Ad kamem chozrim, pour quelle quantité il faut revenir? Donc on a dit quelle quantité de hametz il faudrait revenir, pour quelle quantité de korban, de viande de korban qui est devenue interdite, il faudrait revenir, retourner la brûler. Rabbi Meir omer zevezeve kabetza, ve Rabbi Uda omer zevezeve kazait. Ici ce sont un verset donc Rabbi Meir et Rabbi Uda. Rabbi Meir ici tout d'un coup il donne de l'importance à kabetza comme un œuf, et Rabbi Uda donne de l'importance à kazait comme une olive. Pour cette quantité-là, il faut revenir. Moins que ça, non. Donc la Gemara pose une contradiction entre dans Rabbi Meir et dans Rabbi Uda. Répond la Gemara à Rabbi Yochanan Mukhlefet Ashita. Rabbi Yochanan dit effectivement, c'est une contradiction, il faudrait corriger. Il faudrait corriger, les opinions se sont inversées. Donc Rabbi Meir et Rabbi Uda se sont inversés. Et il faudrait le corriger. De manière à ce qu'il n'y ait pas de contradiction. Deuxième réponse dit la Gemara. Abaye Amar Lolam Lotipur, tu n'as pas besoin d'inverser quoi que ce soit. Hacha Bekre Plige. Ici, ils sont en discussion dans les psukim. Rabbi Meir Savar Ve'achalta Zu Achila, Ve'savata Zu Shtia. Rabbi Meir pense Ve'achalta, tu mangeras, ça c'est une quantité de manger. Ve'savata tu seras rassasié, ça veut dire de boire. Donc il mange et on mange et on boit, là-dessus on fait Birkat Amazon. Ve'achila Bekezaït. Or, manger ne s'appelle qu'à partir d'une quantité de kazaït. Donc, c'est la quantité minimum sur laquelle on fait Birkat Amazon, mais c'est quand même suffisant comme une olive. Mais Rabbi Uda Savar lui l'explique autrement le pasuk. Rabbi Uda lui l'explique. Ve'achalta ve'savata, tu mangeras, tu seras rassasié. C'est pas boire. Achila shesh basviya. Tu dois manger suffisamment de quoi être rassasié. Et là-dessus, tu feras Birkat Amazon. Donc, on a dépassé déjà la quantité d'une olive, qui est toujours dans toutes les mitzvot de la Torah considérée comme manger. À partir d'une quantité d'une olive, on appelle ça manger. Or, ici, la Torah a donné une plus grande quantité que celle-là, parce que la Torah dit, tu vas manger, tu seras rassasié. Rassasié, c'est plus qu'une olive. Ve'ezo zo kabetza. Donc, c'est comme un œuf. Donc, en réalité, ils sont en discussion, ici, Rabbi Meir, Rabbi Uda, dans le pasouk. Comment le comprendre? Est-ce que la Torah donne une quantité de quoi être rassasié, c'est comme un œuf? Ou, de quoi manger? Donc, c'est comme une olive. Atam, tandis que là-bas, à propos de ce qu'il fallait brûler, le hametz, la viande du korban, Besvara pligé. Ils sont en discussion dans les Svarot. Rabbi Meir Savar, Chazaratok et Tumato. Rabbi Meir, lui, il pense que il faudrait se fatiguer à retourner pour brûler pour une quantité qui est comme celle de la Touma. Matumato bekabetza, af Chazaratok bekabetza. De même qu'un aliment reçoit de la Touma à partir d'une quantité où il donne de la Touma, à partir d'une quantité de kabetza comme un œuf, de la même manière, pour une quantité pareille, ça s'appelle une quantité suffisamment importante qu'il faille revenir la brûler. Ça, c'est ce que pense Rabbi Meir. Tandis que Rabbi Uda Savar, Chazaratok et Isuro, Rabbi Uda, il pense non. Revenir, c'est que pour une quantité comme son interdiction. Maïsuro bekazait, afrazarato bekazait. De même qu'un aliment est interdit qu'à partir, enfin, il interdit même moins que ça, mais ce qu'on appelle manger un aliment interdit, c'est qu'à partir d'un kazait. De la même manière, en ce qui concerne la question de revenir le brûler, on ne donne de l'importance qu'à partir d'une quantité comme ça qui s'appelle manger, qui est interdite, qui est donc sur laquelle on est chayav, et qui est donc comme une olive. Donc finalement, on a résolu la contradiction. Ce sont deux sujets complètement différents. En ce qui concerne Birkat Amazon, on explique les psukim chacun à sa manière. Est-ce qu'il faut une quantité de quoi être rassasié, c'est comme un œuf, ou une quantité de quoi manger, c'est comme une olive. En ce qui concerne par contre la mitzvah de brûler ce qu'il fallait brûler, là-bas, la question elle est-ce qu'on compare ça à la Touma qui n'est que pour un kabetza comme un œuf, ou bien on compare ça à l'interdiction qui est pour une quantité d'un kazaït, et donc ça n'a rien à voir avec la question de Birkat Amazon. Mishnah suivante, Keitzad Mezamnin. La Mishnah ici, elle va nous décrire de quelle manière exactement on fait le zimoun. Qu'est-ce qu'on doit dire? Beshlosha Omer Nevarer, pour trois personnes, on dit Nevarer, bénissons Hachem. Beshlosha Avehu, quand ils sont trois personnes en dehors de lui, Omer Baruchu, il dit bénissez. Be'asara Omer Nevarer Elokeinu, quand ils sont 10 personnes, il dit bénissons notre Dieu. Be'asara Avehu Omer Baruchu, quand ils sont 11, donc 10 et lui, il dit Baruchu, bénissez-vous. Vous les 10. Echadasara Ve'chadasara Ribo, il n'y a pas de différence entre 10 personnes, ou bien 10 ribo, 10 fois 10 000 personnes, c'est pareil. Donc 10 personnes ou 100 000 personnes, on fera le même zimoun. Bemea ou Omer, quand ils sont 100 personnes, on dit un autre zimoun, on dira Nevarech Hashem Elokeinu. Bénissons, nous allons bénir Hashem notre Dieu. Donc ici la question elle saute tout de suite, on vient de dire qu'il n'y a pas de différence entre 10 et 100 000. Comment est-ce que je peux dire maintenant que pour 100 personnes on fait autre chose? L'Agmara avait expliqué qu'effectivement c'est une marloquette. Dans la Mishnah, c'est même pas annoncé, mais c'est une marloquette qu'on verra à la fin de la Mishnah elle-même. Je continue dans la Mishnah, Bemea Vehu, s'ils sont 101, lui et encore 100, Omer Baruchu, il dit bénissez-vous, les 100,
Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu. Be'elef ou Omer, s'ils sont 1000, il dit, Nevarech l'Hachem Elokeinu Elokei Israël. Nous allons bénir Hachem notre Dieu, le Dieu d'Israël. Be'elef ou Omer, Barechou, s'ils sont 1000 et lui, il leur dit, bénissez, au lieu de Nevarech, Barechou. Donc Barechou, c'est la même chose, c'est pas autre chose. Donc Barechou, Hachem Elokeinu Elokei Israël. Beribo, s'ils sont 10 000, Omer, Nevarech, l'Hachem, Elokeinu, Elokei, Israël, Elokei, Tzvakot, Yoshev, Akuruvim. Nous allons bénir. Donc, je reprends. Nevarech, l'Hachem, Elokeinu, nous allons bénir, Hachem, notre Dieu, Elokei, Israël, le Dieu d'Israël, Elokei, Tzvakot, le Dieu des armées, Yoshev, Akuruvim, qui est installé sur les Kuruvim. À l'Amazon, Tchachanou, pour la nourriture que nous avons mangée. Donc, toujours, ça, c'est la fin de la phrase à dire. On dira toujours, Nevarech, Elokeinu, à l'Amazon, Tchachanou. Ou bien Nevarech Elokeinu Elokei Israël à l'Amazon Tcharan. Ou bien comme maintenant Nevarech Hashem Elokeinu Elokei Israël Elokei Tzvakot Yoshev Akuruvim à l'Amazon Tcharan. Beribo Vehu, s'ils sont 10 000 et lui, donc il les a comptés un à un, et il est arrivé à 10 001. Omer Barichu, dès qu'il a dépassé les 10 000, il peut s'adresser aux 10 000 qui restent en leur disant Barichu bénissez, etc. Bénissez Hashem Elokeinu Elokei Israël Elokei Tzvakot Yoshev Akuruvim. À l'Amazon, Tchachad. Kenyan Jou Mevarer Kachoni Macharab. Qu'est-ce qu'eux doivent répondre? La même chose que ce que lui dit. S'il dit Nevarer Shachan Michelo, eux disent Baruch Shachan Michelo. S'il dit Nevarer Elokeinu, ils vont dire Baruch Elokeinu, etc. Baruch, et ici, 610 000. Donc, lui, il leur dit Nevarer Hashem Elokeinu, etc. Et eux aussi disent la même chose. C'est ce que la Gemara, la Mishnah elle-même, recite toute la phrase. Baruch Hashem Elokeinu, Elokei Israël, Elokei Tzvakot, Yoshev HaKeruvim, à l'Amazon, Tchachad. Rabbi Yossi Galili Omer, לפי רוב הקהל הם מברכים. רבי יוסי הגלילי, אלא למשנה דורמה אין המחלוקת. סלון רבי יוסי הגלילי, לפי רוב הקהל הם מברכים. סלון לנומר דה פרסון, אונפה לברכה. סיון הבוקו, אונפה אין מייר ברכה. סיון המוע, אונפה אין ברכה פלוס סמפל. כמו נדי, תחוע, דיס, סן, מיל, די מיל, אשק פס עוד חושוז. שנאמר כמי לדי במקהלות, ברכו אלוקים, Hachem et Makor Israël. Et Makelot, c'est dans les peuples, dans les communautés, dans les groupes, bénissez Hachem, bénissez Elohim, Hachem et Makor Israël, de la source d'Israël. Donc ça dépend en fait du nombre de personnes. Plus ils sont peuplés, plus la bracha est meilleure. Moins de personnes il y a, plus la bracha sera simple. Amar Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec ça, il dit non. Toi Rabbi Yossi Aglili, tu fais des différences. C'est d'ailleurs la fin de la Mishnah qui avait cité toutes ces différences-là, pour 100, pour 1000, pour 10 000, ça va comme Rabbi Yossi à Galilée. La phrase qu'on avait vue avant ça, qui disait « il n'y a pas de différence entre 10 ou 100 000 », c'est ce que Rabbi Akiva pense, qui dit maintenant « Amar Rabbi Akiva ». « Mamatin vebet haKnesset », de même qu'on a trouvé dans la Shul, dans la Tfila, « Echad merubim vechad muatim », aussi bien s'ils sont de très nombreux ou peu, Omer, il dit « Baruch et Hashem, bénissez Hashem », ici aussi il n'y a pas de différence entre 10 personnes ou 100 000 personnes, donc c'est ce que Rabbi Akiva pense. C'est ce qu'on avait vu au début de la Mishnah, qu'il n'y a pas de différence entre 10 000, et 10 personnes, c'est pareil. Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel, il ajoute là-dessus une petite note sur Rabbi Akiva. Toi, Rabbi Akiva, tu dis de dire Baruch et Hashem. Rabbi Shmuel dit non, il faut dire Baruch et Hashem Amevorach. Il faut ajouter encore le mot Amevorach. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shabbat Shalom à tout le monde.